la grande famille shalom que mon dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de jésus christ regardez le décor il est magnifique nous avons des très beaux fruits ici nous avons euh, la mangue nous avons euh, l'orange je vois nous avons l'avocat nous avons euh, 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 la pomme nous avons nous avons la banane je vois les kiwis je vois euh, 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 la poire Framboise, il y a aussi euh, les légumes qui est la tomate, il y a l'ananas. En tout cas, c'est gêne et prière un peu particulier. Gêne et prière végétarien. Tapez-moi cinq fois végétarien, végétarien. Ce n'est pas le monde qui a inventé, euh, n'est-ce pas, euh, le, le, le monde végétarien. Dieu est un Dieu qui a tout créé. Alors l'objectif de ces gènes et prières est très particulier. C'est un gène et prière pour la bonne santé. Ces trois jours de et prière, suivez bien les instructions. L'année passée, nous l'avons fait cinq jours. Ça a été un puissant programme et on a beaucoup de témoignages. Et parmi les témoignages, un témoignage puissant de la doctoresse et Judith qui est à Luanda, d'origine camerounaise. Mais elle est à Luanda et elle a, elle, a, elle a épousé un Angolais qui est malheureusement qui ne vit plus. Mais elle est restée en Angola, elle est docteur. Et on est devenu, elle est devenue montagnarde parce qu'elle était tombée à ses programmes, n'est-ce pas, de gêne et prière de l'année passée euh, sur euh, la, le gêne et prière de euh, végétariens pour la bonne santé. Elle est tombée dedans, elle est médecin et puis elle a suivi le programme et elle a aussi. N'est-ce pas, euh, euh, gêné avec nous? C'était pour sa première fois que le docteur Judith gênait et elle accompagnait le programme, elle qui est médecin, elle accompagnait le programme que le Saint-Esprit nous a donné et ça l'a beaucoup aidé, ça l'a beaucoup aidé. Et elle a dit que elle a été guérie. Le docteur a été guéri à travers de ce programme. Et depuis lors, elle est restée collée à la montagne de la prière. En tout cas, suivez bien ce programme, ce n'est pas n'importe quel programme est un programme très inspiré de la part du Seigneur. Peut-être tu viens de tomber à ce programme, mais je sais que le Seigneur veut que tu puisses nous écouter. Nous bénissons l'Éternel. Nous avons commencé notre programme aujourd'hui. Alors nous avons dit, Alléluia, nous étions là à 18h. Nous étions là à 18h sur le téléphone. C'était un peu compliqué, mais nous avons mis sur Facebook et vous avez suivi le programme. On était déjà nombreux au téléphone. À 18h pour ouvrir le jeûne et la prière. Pourquoi Parce qu'on n'a pas voulu entasser, n'est-ce pas, beaucoup de vidéos sur notre chaîne, votre chaîne YouTube. C'est pourquoi je voudrais d'abord donner le programme pour pouvoir vous situer euh, très bien. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour, vendredi. Nous sommes maintenant le soir, n'est-ce pas Nous gênons comme suit. Le, comme le programme, il est euh, 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 comme je l'ai mis sur pas de la page Facebook. Donc, nous gênons de minuit à 18h. Après 18h, c'est un jeûne de prière uniquement végétarien. Ça veut dire que nous mangeons les fruits uniquement et le légume. D'accord Donc, le matin, à partir de demain samedi, le matin, quand tu te réveilles, tu prends un fruit, n'est-ce pas N'importe quel fruit, je vais expliquer après. Fais comme moi, tu manges ton fruit et puis une fois que tu as mangé ton fruit, tu suis à la banane, tu manges le fruit et puis tu bois un demi-verre d'eau tiède. C'est l'orientation que le Seigneur nous a donnée. Je l'ai fait moi-même d'abord. Donc, une fois que tu te réveilles le matin, tu manges n'importe quel fruit que tu veux et tu bois un demi-verre d'eau tiède. Et toute la journée, c'est comme ça. À midi, si tu le peux, tu manges encore un fruit et tu bois encore un demi-verre d'eau tiède. Après 18h, après notre prière, comme nous l'avons fait aujourd'hui à 18h. Après 18h, nous pouvons manger n'importe quel fruit que nous voulons. Et durant la soirée, on peut manger des fruits et continuer à boire de l'eau tiède. Ça nous fera du bien parce que l'objectif de ces jeunes et prières, c'est pour la bonne santé. Comme j'ai dit, faites ces jeunes et prières avec nous pour purifier et désintoxiquer notre corps tapez moi cinq fois désintoxiqué, désintoxiqué, désintoxiqué. On mange tellement la viande, on mange tellement les choses, on mange tellement McDonald's, on mange tellement Burger King. Toutes ces nourritures que nous mangeons, bien -aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que ce n'est toujours pas de la bonne nourriture. Ce n'est toujours pas de la nourriture bio. À un moment donné, on a besoin que le corps respire. Le gêne, il n'est pas seulement bon pour que nous puissions être forts spirituellement, mais gêne, gêner, fait aussi du bien à notre corps. La science le prouve bien. Il y a des médecins, n'est-ce pas, qui incitent, n'est-ce pas, même les gens à gêner. Mais attention, attention, je suis pas médecin. Donc pour dire que, ne gênez pas comme ça, et si vous prenez les médicaments, que vous avez la tension artérielle, que vous avez une maladie grave, N'entrez pas en gêne comme ça à sec. Vous commencez à prier. À sec. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsque vous êtes déjà gravement malade, vous ne pouvez pas gêner comme ça comme vous voulez. Vous devez écouter l'avis de médecin. Mais lorsque vous êtes en bonne santé ou lorsque votre maladie n'est pas grave, vous devez commencer à pratiquer de temps en temps euh, le gêne et la prière. Surtout la nourriture, et elle conditionne aussi beaucoup en bien ou en mal notre corps. Hein, physique. Alors, c'est pourquoi le gène nous fait aussi du bien, n'est-ce pas Alors, avant de pouvoir me lancer, je vais d'abord prier. Tendre Père, je bénis ton nom, je bénis ton peuple, je bénis ceux qui sont connectés et je bénis ceux qui doivent encore se connecter avec nous. Que ta main puissante soit sur chacun de nous, Père. Nous voulons être en bonne santé après ces trois jours de gène et prière au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais dire doucement, donc, nous étions là à 18h. Demain, une fois que ce programme est fini, demain samedi, nous serons là, n'est-ce pas, euh, 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 à 18h. On n'est pas là à 4h du matin. Donc, nous sommes là maintenant, dès qu'on finit là, on ne sera pas là à minuit. On, sera, on va se voir à 18h à 18h demain. On se voit demain. À 18h au téléphone, pas sur YouTube, au téléphone. Mais, pour ceux qui sont en Afrique, vous êtes tellement nombreux, appelez-nous, vous allez vous enregistrer, nous allons vous mettre sur un groupe privé WhatsApp. Parce que prier avec nous pendant une heure de temps au téléphone en Afrique, c'est quasi impossible. C'est pourquoi nous avons créé deux groupes WhatsApp privés et il y a aussi la possibilité nous allons mettre euh, nous, nous pouvons vous connecter sur la chaîne YouTube euh, privée que nous avons n'est-ce pas nous allons vous vous connecter dedans vous pouvez suivre la prière donc pour ceux qui sont en Afrique vous pouvez envoyer vos numéros de téléphone votre adresse mail nous allons vous mettre pas sur Zoom mais sur WhatsApp ou soit sur YouTube comme vous préférez afin que nous puissions Prier ensemble à 18h. Demain, samedi, spécialement comme on est en jeûne et prière, samedi, demain, on sera là aussi à 22h, mais cette fois-ci, ce n'est pas au téléphone, mais sur notre chaîne YouTube Samuel Panjou TV. Dimanche, ça sera la clôture. Que Dieu te bénisse abondamment. Dimanche, nous allons clôturer partout où tu es, si tu as la possibilité, ne manquez pas. Amenez-moi seulement, n'est-ce pas? une bouteille d'huile ou n'est-ce pas un, 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 une petite bouteille d'eau amenez-moi soit une bouteille d'huile soit une bouteille d'eau et puis nous allons prier dimanche nous allons clôturer puisque c'est la prière pour la bonne santé je vais imposer le main sur chacun de vous partout hein, ceux qui seront en présentiel je vais imposer le main il y aura des délivrances il y aura des miracles C'est trois jours quelque chose Va se passer. Gêne et prière végétariens pour la bonne santé. Shalom à tous les montagnards du Canada, des États-Unis, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Congo-RDC, de l'Angola, du Bénin, euh, 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 de Ghana, parce qu'on est suivi aussi au Nigeria, euh, partout où vous êtes, en tout cas, Congo-Braza, euh, Gabon, que Dieu bénisse tous les montagnards. En Afrique du Sud et puis toute l'Europe. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Encore quelques jours, l'année va terminer. Comme je l'ai dit, ne manquez pas la nuit de la grande traversée, le 31 décembre. J'invite que tout montagnard, partout où vous êtes, achetez vos billets et ne manquez pas ces rendez-vous, parce que 2023, ça sera L'année de la reconquête, l'année de la reconquête, de la récupération et de la prospérité. Tu vas imposer le respect, hallelujah. Alors ne manquez pas à ce grand, grand rendez-vous de la nuit du 31 au 1er euh, de janvier, n'est-ce pas, 31 décembre au 1er janvier 2023, ça sera la grande veillée de la traversée, elle est très prophétique. Nous devons être tous sous la couverture spirituelle et nous allons traverser ensemble. Alléluia. L'année prochaine, 2023, nous disons, Alléluia, que la maladie sera loin de nous. Alléluia. Beaucoup de choses que nous avons perdues des années et des années. 2023, ce n'est pas des blabla. Alléluia. Je suis un témoignage vivant des choses que je prêche. Alors, préparez-vous. Commencez déjà à acheter le billet. Et vous aurez l'adresse Ou soit nous serons à, à, à nos hôtels, ou soit nous serons ailleurs. Mais commencez déjà à acheter vos billets. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. L'objectif de ces jeunes prières, selon la révélation que nous avons reçue de la part du Seigneur, de faire ces jeunes prières pour purifier notre corps, pour désintoxiquer notre corps. Vous savez, nous sommes dans un monde, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia, un monde de maladies. Un monde d'envoûtement, un monde diabolique, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais nous avons une, une responsabilité de veiller sur nous. Alléluia. Tapez-moi cinq fois. La santé, la santé, la santé. Il y a trop de maladies. Il y a trop de maladies, bien aimé dans le Seigneur. Et beaucoup de ces maladies ne viennent pas de Dieu. D'ailleurs, Dieu n'envoie pas les maladies. Quand Dieu maudit une personne ou quand Dieu permet quelque chose dans la vie de quelqu'un, cela veut dire que euh, c'est une circonstance très spéciale. Mais Dieu n'envoie jamais la maladie à son peuple. C'est comme un père ne peut jamais accepter que son fils soit malade. Chaque fois qu'il y a une maladie, ou soit parce que cela est causé par la vieillesse, mais souvent c'est un dysfonctionnement immunitaire. Ou soit, malheureusement, ce sont des maladies, des mauvais sorts. On voit Job tomber malade, non parce qu'il a péché. La Bible dit que c'est Satan qui a jeté les sorts sur Job. Et Job est tombé malade. Beaucoup de maladies ne viennent pas parce qu'on a, on a mangé quelque chose, mais parce que la sorcellerie a envoyé la maladie. Beaucoup tombent malades parce que nous mangeons des choses que nous ne devions pas manger. Que Dieu fasse grâce. Beaucoup tombent malades parce qu'on est trop stressé. Et on est tous sous pression. Alors, nous avons besoin de la grâce de Dieu. J'ai écrit quelque chose ici que je vais lire. Les incertitudes de l'existence ne signifient pas que nous devions rester à ne rien faire. Nous avons besoin de la foi. Puisqu'il y a tellement les incertitudes de la vie, personne ne peut garantir ce qui va arriver demain. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Puisqu'il y a cette incertitude de l'existence humaine, cela ne peut pas signifier, cela ne veut pas dire que nous devons rester immobiles, sans rien faire. Nous devons faire quelque chose. Ce que nous devons faire, nous devons, bien aimé le Seigneur, avoir la foi en Dieu. Nous devons poser certaines actes. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois malade. Parmi les choses que nous voulons faire pour préserver notre santé, qui est si importante, bien aimé le Seigneur, c'est la prière, c'est les gènes. Et ça, c'est parmi les révélations que nous avons pour que nous puissions écouter. La Bible dit Hallelujah, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le docteur Judith en Angola. C'est une femme camerounaise, une chrétienne camerounaise, euh, qui était euh, mariée à un Angolais euh, très haut placé, malheureusement, euh, qui a quitté, qui n'est plus de, 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 de ce monde. Mais elle, elle est restée là-bas, docteur, la, la docteur Judith et les médecins. L'année dernière, on avait fait ce même gène de, de jeune prière végétarien pour la désintoxication de notre corps, pour purifier notre corps. C'est comme ça que le docteur Judith est tombé sur la chaîne YouTube. Il a commencé à suivre le prière et il était tombé. Elle était tombée aussi sur ces jeunes prières. Il a, elle l'a fait avec nous. Elle m'a donné son témoignage. Elle m'a dit, prophète, j'étais surpris des explications que tu donnais, des explications scientifiques, mais tu les associais avec la spiritualité. J'étais tellement ébloui j'ai suivi à la lettre parce que là on le fait trois jours, mais l'année passée on avait fait cinq jours. Elle dit j'ai suivi à la, lettre, à la lettre les instructions que tu as données. J'ai suivi ça à la lettre et j'ai été guéri. J'avais un problème physique, j'avais quelque chose. En tout cas, j'ai été guéri. Voilà. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je veux dire Si un médecin, si un médecin croit et obéit et elle est guérie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce programme, et nous allons le faire comme cela. À partir de demain, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, nous avons commencé le matin, et puis à 18h, nous avons fait notre prière au téléphone, comme je l'ai déjà dit. Et puis là maintenant, hein, c'est notre séance d'enseignement pour expliquer pourquoi les jeunes prières végétariens. C'est un jeûne et prière. L'objectif, c'est pour la bonne santé, pour nous purifier, nous désintoxiquer de la nourriture que nous mangeons de chaque jour. À partir de demain, normalement, parce que le programme a raté, avait raté. Donc, normalement, à partir de demain, n'est-ce pas, aujourd'hui, là, nous mangeons des fruits et tout ça. Comme je l'ai déjà dit aussi à 18h, à partir de demain, je répète encore, au téléphone, nous l'avons dit, nous le disons aussi aujourd'hui. Donc, le matin, quand tu te réveilles, tu prends n'importe quel fruit, n'est-ce pas? Tu manges un fruit, je fais avec toi en live. Tu manges un fruit, waouh! Ça, c'est du raisin. Et puis, tu bois un verre d'eau tiède, un demi-verre d'eau. Hein, ça, c'est comme une tasse de café. C'est bon, c'est un bon résistant. Ah, ok, tu manges, là. Moi, je mange le raisin. Un demi verre d'eau, siège. Le matin, tu le fais. À midi, si tu as la possibilité, tu le fais. Et à 18h, on va se croiser ensemble. On finit notre prière à 19h. Là, durant toute la soirée, tu manges quelques fruits. Et puis voilà, tu les associes tout, tout le temps avec un demi-verre d'eau tiède. Je te garantis, dimanche, tu seras une autre personne. Dimanche, il y a quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose. Je prophétise au nom puissant et grand de Jésus-Christ que dimanche, tu vas témoigner. Tu as peu moins cinq fois. Témoignage, témoignage, témoignage. Tu es le prochain ou la prochaine dans la liste. Peu importe la maladie. Peu importe la douleur. Peu importe la circonstance que tu vis. Je libère la parole prophétique. Au nom de Jésus, que tu sois en bonne santé parce que c'est la volonté de Dieu. Nous avons un joli plateau que Maman Fullo nous a préparé. Ici, nous avons une mangue. Nous avons les oranges. Nous avons l'avocat. Ça, c'est quoi? Bon, nous avons les raisins. Nous avons la pomme. Nous avons la tomate, nous avons la banane, nous avons la poire, nous avons le kiwi, et puis nous avons framboise. Waouh Donc tous ces fruits, vous pouvez manger n'importe quel fruit, n'est-ce pas Comme là ici moi. Bon, laissez-moi encore aller commencer de manger encore. Ici à la banane. Alors. Vous devez savoir une chose. Dieu tient à la santé de son peuple. Notre Dieu est plus qu'un médecin. Notre Dieu connaît le besoin, même les plus élémentaires de notre vie. Alors, nous devons prier. Nous devons gêner. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons chercher la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit à l'introduction, des maladies. Mais Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé. Lisez avec moi d'abord. Hein? Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel bénira votre pain et vos eaux. Et l'Éternel éloignera la maladie du milliers de vous. En d'autres traductions, dit de, de ta maison. Vous servirez, c'est comme une sorte de contrat. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. et en retour, l'Éternel bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Donc l'Éternel bénira ce que vous mangez bénira ce que vous buvez. Et à travers la, la nourriture et le boire, il éloignera la maladie de votre maison. Exode 23, verset 25. C'est ce que je suis en train de faire avec toi. Dieu dit dans Exode, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel bénira votre pain, ce que vous mangez. L'Éternel bénira vos eaux, ce que vous buvez. Et à travers la nourriture, ce que vous mangez et ce que vous buvez, Dieu va éloigner la maladie de votre maison. Donc je mange un fruit, je bois un demi-verre d'eau tiède, je suis en train de pratiquer Exode 23, 25. Et je dis à Dieu, éloigne la maladie de ma maison. Lève ta voix, dit Seigneur. Viens désintoxiquer ces trois jours. Viens, Seigneur, désintoxiquer chaque cellule de mon corps. Seigneur, pendant ces trois jours. Seigneur, je ne veux manger que le fruit et le légume, et je veux boire. Je veux, Seigneur, que tu purifies mes eaux, que tu nettoies mon cerveau, que tu nettoies mes yeux, mes oreilles, les muscles, que tu nettoies chaque chose de mon corps au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, celui qui veut écouter la voix, celui qui veut obéir à l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Ne le fais pas par plaisanterie. Il faut croire. Il faut croire à cet acte prophétique. Il faut croire. La Bible dit, Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel. Et en retour, Dieu dit des choses. Il bénira votre pain. Ce qui sous-entend, Dieu bénira ce que nous mangeons. Et il bénira vos eaux. Ce que nous mangeons et ce que nous vivons. À travers les manger et le boire, je va chasser la maladie de notre maison. Je dis au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous sommes à la fin de l'année. Tu ne seras pas l'offrande des sorciers. Tu ne finiras pas à l'hôpital. Il y a des gens chaque fin de l'année, au mois de décembre, ils doivent se retrouver à l'hôpital. Les enfants doivent se retrouver à l'hôpital. Nous mettons stop. Nous étranglons cet esprit diabolique. Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ. Lève-toi, dit Seigneur. Puisque je suis ta servante, puisque je suis ton serviteur, bénis Seigneur le fruit. Bénis l'eau que je bois et soigne-moi. Éloigne la maladie de ma maison. J'ai prié. Que la maladie sort de, ta, de ton corps, sort de ta maison. Tu dois croire et tu dis ⁇ Amen, Amen, Amen ⁇ Tapez-moi ⁇ Amen, Amen ⁇ cinq fois. Partagez, partagez et partagez encore. Dieu tient à notre santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. D'ailleurs, dit je, dans la bouche de Jean, il a dit par la bouche de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. La santé, c'est la chose la plus importante dont nous avons besoin. Tu peux avoir l'argent, ça la santé, ça ne servira à rien. Tu peux avoir une très belle maison, ça la santé servira à rien. Tu peux avoir une très belle voiture, un compte en banque bien nourri, ça la santé, ça ne servira à rien. C'est une prière à ne pas négliger ce soir. Pendant ces trois jours, tu connais quelqu'un qui est malade, appelle-les, envoie les liens de ces programmes, dis-lui qu'il y a un puissant programme pour la bonne santé. Parce que nous allons commencer notre prière le 2 décembre pour 30 jours. Nous aurons 30 jours de jeûne et prière pour terminer l'année. Nous allons commencer à partir du 2 décembre jusqu'au 31 décembre, 30 jours de jeûne et prière. Alors, nous voulons commencer ces jeûnes et prières de 30 jours en bonne santé. La Bible dit que c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Si Jésus a été blessé, a été blessé pour que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Ce qui est sur Zoka, ce qui est sur Lela, ce qui est pona Yonanga, ce qui est Santé Konongono, ce qui est Santé Amakasi, ce qui est sur Koufa, ce qui Zoka Bapota, Namoto, ce qui Santé Malango. Mais bon, na avons besoin de ma lobby. Je vais dire en français, Jésus a été blessé. Il a porté la couronne d'épines, l'épée sur son côté, les clous dans ses mains et dans ses pieds. C'était pour que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Mais Hébreu dit, sortons, allons vers lui, sortons de la ville, allons vers lui à la montagne de Calvaire. Sortons, allons vers lui. Parce que c'est lorsque nous allons vers lui, et c'est par pas ce maître ici, nous sommes guéris. La croix n'était pas dans la ville. La croix était hors de la ville. C'est pourquoi la Bible dit, sortez hors de la ville. Et que à Jérusalem, Excusez-moi parce que j'ai mangé le raisin. Ce que nous sommes en train de faire ici, là, nous sommes en train de sortir de notre confort, de stopper un peu la viande, on mange trop de viande, de stopper un peu McDonald's, les enfants mangent trop de McDonald's, c'est un mal, mal bouffe. De quitter nos lits, de sortir de nos lits, de nos chambres, de dormir par terre, c'est ça, sortir de la ville. Pour aller vers lui et pour recevoir cette guérison. La guérison est là. Mais Dieu dispose les hommes qui doivent nous apporter la révélation pour que nous puissions saisir cette révélation et que nous soyons guéris. Et j'ai la foi, pendant ces trois jours, ta fille sera délivrée. Je vis des hépatites B disparaître. Je vis de Christ disparaître. Je vois encore aujourd'hui des fibromes disparaître. Je vous ai donné le témoignage, encore avant-hier, hein, la semaine passée, de cette femme qui est tombée enceinte après avoir fait la prière Comment débloquer débloqué le bénédiction confisquée. Nous avons Dieu vivant. Mais tu dois croire à cette prière. Tu dois prier avec nous. Il y a les numéros de téléphone de tous les pays. L'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Il y a les numéros de téléphone. Nous sommes revenus à notre premier amour. Même pendant le mois de décembre, nous allons utiliser beaucoup les téléphones et YouTube. Nous serons sur ces deux plateformes. Comme on a beaucoup attaqué sur Facebook, la page Facebook est, est, est encore signalée. Donc, nous allons utiliser les téléphones et les YouTube. Je suis convaincu que ta vie peut basculer parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Proverbe chapitre 3, versets 7 à 8. Dieu tient à ta santé. Lève ta main et dis Seigneur, tu tiens à ma santé. Tu tiens à ma santé. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il dit ne te crois pas trop sage. Peut-être en regardant, c'est quel théâtre ça C'est n'importe quoi. Ne sois point sage à tes propres yeux. Arrête un peu de manger. N'importe quoi. Arrête de fumer. D'ailleurs, pardon, comme j'avais mangé les raisins, là, ça me dérange un peu. D'ailleurs, c'est écrit sur la paquet de la cigarette que la cigarette est tue. Arrête de fumer. Arrête de manger la viande du matin au soir du 1er au 30, arrête. Arrête aussi de te bourrer le ventre parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Tu manges comme si je ne sais pas. Vous savez que parmi les, les, les grands démons que le diable utilise, il y a un démon de gourmandise. Il y a un démon de gourmandise. Et le diable sait que la nourriture peut détruire. La Bible dit, la Bible dit, on ne se moque au pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il est écrit, l'excès de table est un péché. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Parce que Dieu dit, ne mangez pas trop. Manger là n'est pas un péché. Mais quand ça devient trop, ça devient un péché. Galate, Paul dit ça. Les excès de table. Cela veut dire que ne te crois pas trop sage. Détourne-toi de mal. Parce que trop manger fait mal. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous gênons. Nous gênons, nous prions, nous gênons. Parce que le gène nous fait du bien. Le gène soigne le corps. Les gènes va soigner les intestins, va soigner le cœur, va soigner les muscles, va soigner les os. Le Seigneur, le Seigneur dit, ce sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes muscles. Et même quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Tu n'auras pas à craindre les menaces de l'ennemi pendant la nuit. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Accorde-moi la bonne santé. Pendant ces trois jours, viens désintoxiquer mes enfants, viens désintoxiquer ma femme, viens désintoxiquer mon mari, viens désintoxiquer mon corps. Purifie-moi, Seigneur, de gloire, que je sois renouvelé, que je sois rafraîchi, Seigneur, de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi cinq fois la santé, la santé, que tes muscles soient en bonne santé, que tes os soient en bonne santé. Et même quand tu vas coucher, que ton sommeil soit un sommeil doux. Job dit j'ai des nuits de douleur, j'ai des nuits d'angoisse. Quand le corps n'est pas bien, le sommeil part on a l'insomnie. Quand on est malade, les nuits deviennent douloureuses, deviennent difficiles. C'est pourquoi nous demandons à Dieu, Seigneur, soigne-nous, papa, purifie-nous à travers cet acte simple. Tu manges un fruit le matin, tu bois un demi-verre d'eau tiède, ça te lave. Et encore plus, il y a la main de Dieu sur toi parce que tu le fais pendant ces trois jours. Prophétiquement, fais-les le matin, fais-les à midi et fais-les le soir. Nous avons demain samedi. Après, nous aurons dimanche. Je vous attends dimanche. Dimanche, amenez-moi soit une bouteille d'huile, soit amenez-moi une, une bouteille d'eau. Je vais prier pour toutes les personnes qui seront en présentiel. Nous allons menacer la maladie. Nous allons rappeler à Dieu. Exode 22, 25. Tu as dit, Seigneur de gloire. Puisque vous servirez l'Éternel, l'Éternel bénira votre banane, l'Éternel bénira votre pain, il bénira l'eau que vous vivez. Et à cause de la nourriture et de l'eau, le Seigneur éloignera la maladie de votre maison. Le Dieu de gloire, il est derrière sa parole pour s'accomplir, pour l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un nom pour mentir, ni être même pour changer d'opinion. Mais il a, il, a, il a besoin de ta foi. J'avais dit que les incertitudes de la vie, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain, les incertitudes de la vie ne doivent pas nous pousser à rester inertes sans rien faire. Sans rien faire. Non, 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 non. Nous ne devons pas rester sans rien faire. Nous devons, nous devons faire quelque chose, nous devons faire un mouvement. Nous avons besoin de la foi. Nous devons faire quelque chose. Nous, nous avons la foi à travers l'acte prophétique. Ça, ce n'est même pas l'acte prophétique. Ça, c'est un acte sacerdotal. Ce n'est pas un acte prophétique ce soir. C'est un acte sacerdotal. Parce que ça existe déjà. La formule est là. L'Éternel bénira votre pain. Il bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. Donc, à travers la nourriture, à travers l'eau, le, 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 Dieu te guérit. Le Seigneur tient, tient à votre santé, tient à ma santé. Alors, nous allons lire euh, psaume 104. Psaume 104. Nous allons lire le psaume 104. Hallelujah. Lisez avec moi. Samuel, en lisant psaume 104, moi je vais lire le Psalm 104, toi tu vas lire Genèse chapitre 1 verset 11 à 12 et après tu vas sauter verset 29. Donc je vais aller un peu doucement, partager. Partager, inviter un frère. Inviter un frère. Alléluia, notre Dieu est puissant. Dieu peut passer par n'importe quel élément pour te guérir. Alléluia. Je vais l'éprouver ici avec des versets bibliques. Nous voyons le Seigneur guérir à travers de l'eau. Nous voyons le Seigneur guérir à travers la salive. Nous voyons le Seigneur guérir à travers, alléluia, la parole. Nous voyons le Seigneur guérir plusieurs personnes et des multisystèmes. Il les guérit d'une manière différente les uns après les autres. De même que ces trois jours, le Seigneur veut te guérir à travers le fruit. De l'eau tiède parce qu'il dirait sa parole. Le psaume 54, verset 14 Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Vous comprenez La Bible dit Dieu a donné de l'herbe pour le bétail, mais il a donné des plantes pour le besoin de l'homme. Les plantes sont à la base de la nourriture de l'homme. Les plantes sont à la base de médicaments de l'homme. Le corps humain est très complexe. Le corps humain est très complexe. Le corps humain peut produire le poison. Ton corps peut produire un poison. C'est pourquoi Dieu, dans sa immense sagesse et intelligence infinie, il avait projeté pour l'homme sachant déjà que plus tard des choses vont changer. Mais Dieu avait projeté pour l'homme de manger le plat. Donc une bananière produit la banane. Un manguier un manguier produit la mangue. Donc tous ces fruits que nous avons ici, ce sont des plantes qui donnent des fruits. Et la Bible dit que Dieu a donné les plantes pour le besoin de l'homme. Chaque fois que nous mangeons, nous mangeons pour être en bonne santé. Donc la nourriture que nous mangeons, elle est en même temps un médicament. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous puissions manger les plantes et non pas la viande parce que au départ quand Dieu a créé l'homme l'homme était végétarien l'homme ne mangeait pas la viande la viande est une conséquence du péché l'homme a commencé à manger la viande après qu'il est tombé dans le péché parce que dans le jardin l'homme ne mangeait pas la viande puisque les animaux étaient ses amis adam écoutait les animaux parler les animaux parlaient, Adam écoutez Alors Samuel va lire pour vous montrer que les gènes et prières végétariennes que nous sommes en train de faire, c'est un gène et prière biblique. Il faut qu'il y ait un temps dans ta vie où tu arrêtes de manger la viande. De temps en temps, il faut le faire. Bon, pendant un mois, on ne va pas manger la viande. À pendant deux mois, on ne mange pas la viande. On mange, on mange les légumes, on mange les fruits, on mange la nourriture on essaie, on n'est pas tous capables de nous acheter les services, les, les, les aliments bio. On court tous à Lidl, on, tour, on court tous au Carrefour, on court tous à Auchan. Mais toute tout cette nourriture industrielle, ce sont des nourritures artificielles. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi la faute des industriels. Parce que s'il n'y avait pas l'industrie, la densité des hommes aujourd'hui, la manière où nous sommes devenus sédentaires, imaginez-vous, tout le monde à Paris doit aller dans la forêt, aller prendre la pomme, aller prendre je ne sais pas quoi pour manger. Comment nous allons faire Ça n'allait pas être possible. Et aujourd'hui, il est prouvé que la Terre a beaucoup de ressources pour, pour, pour pouvoir faire vivre les humains. Mais il y a plus beaucoup de gibier dans la forêt. Il y a des animaux qui commencent à disparaître. C'est pourquoi vous voyez des parcs nationaux partout dans le monde pour la protection des animaux. Dieu ça le savait déjà parce que Dieu quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour manger la chair. L'homme était créé pour manger les fruits, pour manger les légumes. Parce que Dieu savait que au fil des années qui vont arriver le corps humain, la nature, va subir des changements. Le corps humain aura besoin de la sécurité. Il n'y a rien qui peut nous sécuriser mieux que la nourriture. La nourriture que nous mangeons influence beaucoup notre état de santé. C'est pourquoi Dieu, comme un bon... Comment on Nutritionniste. Il veut que l'homme mange les fruits. C'est pourquoi... Nous une fois par, par année, chaque mois de novembre, nous faisons ce jeûne et prière euh, végétarien où nous mangeons les fruits. Mais au, tout au long de l'année, il faut faire des jeûnes et prières. Comme je vous dis souvent, quand on entre à jeûne et prière, souvent je vous dis, ne mangez pas la viande, ne mangez pas la viande, ne mangez pas ça. Tout ça dans l'objectif de, de pouvoir nous désintoxiquer de la viande et de ne pas être trop dépendant de la viande. Parce que ce n'était pas la pensée de la du début. La pensée du début était que nous mangeons le fruit et le légume. Samuel va lire. Genèse 1. Mm. Puis Dieu dit que, que la terre produise de la verdure. De l'herbe qui doit porter de la semence. Des, des arbres fruitiers donnant du fruit. Donnant du fruit. Leur espèce, Chacun leur espèce. Il y a plusieurs espèces ici. Et ayant. ayant et elle a laissant sur la terre. Ça, ça pousse de la terre. Vas-y. Et cela fut ainsi. Va au verset, verset 9. Verset, ah, verset 12. Ok. Verset 12. La terre hmm. produisit de la verdure. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Selon son espèce et, fruits, et les arbres donnant des fruits. Et ayant en eux. Leurs semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 29. Et Dieu dit, voici. Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence qui, qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc la première nourriture de l'homme, ce n'était pas la viande du gibier que nous aimons beaucoup. Ce n'est pas la viande de bœuf, le, 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 le côtelette, comment, comment on appelle ça Les côtes de bœuf. Côtes de bœuf. Ce n'était pas les, les côtes de bœuf que nous aimons beaucoup. La première nourriture que Dieu a donnée à l'homme, c'est les fruits, c'est les légumes. Il dit :« Je vous donne tout ça comme nourriture. » Les animaux étaient là, mais Dieu n'avait pas dit à l'homme de manger les animaux. D'ailleurs, ironiquement, je dit, Dieu, quand l'homme a péché, beaucoup de choses ont changé. Quand l'homme a péché, c'est après le péché que Dieu a dit à l'homme Maintenant, tu mangeras de la viande. Parce que de toutes les façons, ton corps est abîmé. Tu vas manger maintenant de la viande. Mais malheureusement, vous savez ce que c'est produit. Dieu n'a jamais dit aux animaux de manger l'homme. Mais les animaux ont dit non. Dans les jardins, on était amis. Personne ne mangeait personne. Donc Adam ne mangeait aucun animal dans les jardins. Mais quand ils sont sortis du jardin, les animaux n'ont pas compris. L'homme a commencé à les manger. Les animaux se sont dit non, mais ce n'est pas possible. Si vous nous mangez, nous vous mangeons aussi. Aujourd'hui, même un chien peut manger, un lion peut manger un homme. Dans les jardins, ce n'était pas comme ça. Mais puisque le péché a... A créé un dysfonctionnement même dans la nature. Regarde le péché de l'homme. Les conséquences du péché de l'homme. Quand il y a eu le délige, beaucoup d'animaux sont morts. Qu'est-ce que les animaux ont fait Les animaux n'avaient rien fait. Parce qu'il n'y avait qu'un couple qui s'était sauvé dans l'arche de Noé. Mais les restes des animaux ont péri avec le péché. Et pourtant, les animaux n'avaient fait aucun péché. C'est pourquoi les animaux sont dit Bon, comme vous êtes en train de nous manger, nous aussi, va, on va commencer à vous manger. Retour à l'expéditaire. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est pourquoi Dieu a demandé, a ordonné à l'homme de manger le légume, de manger les fruits. Pendant ces trois jours, fais un effort de ne pas manger la viande. Fais un effort de ne pas manger je ne sais pas quoi. « Mange seulement le fruit, mange le légume, bois de l'eau tiède pendant trois jours. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu sera sur toi. » Nous allons voir ça bibliquement, que Dieu, à travers des hommes, des prophètes, il a guéri à travers le fruit. Écoutez, ça, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, 14 à 15, si quelqu'un est malade, qu'il aille chercher ou qu'il appelle les anciens de l'Église et ceux-ci prieront pour lui en loignant d'huile. S'il était malade, il sera guéri. Si même il avait péché et qu'il confesse, les péchés seront pardonnés. Regardez, là ce n'est pas une parole prophétique, c'est une formule. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un est malade, c'est pourquoi je dis souvent... Beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu, je ne sais pas si c'est la méchanceté ou si c'est l'ignorance ou si c'est la haine, je ne sais pas. Ah, moi je n'ai pas d'huile. Au nom de Jésus, le nom de Jésus suffit. Mais oui, le nom de Jésus suffit. Le nom de Jésus suffit pour nous guérir. Mais lui-même, le Seigneur, il a guéri Bartimé par la parole. Mais un autre aveugle, il a dit, va compléter ta guérison au réservoir de Siloé, c'est à travers de l'eau. L'autre, il a mis la sable, la, 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 la salive, il a mis dans ses yeux, il a mis les mains, il n'a pas été guéri. Il a dit, tu vois, il dit, ah, je vois, mais comme si les hommes, comme des arbres qui marchent. Bien-aimés le Seigneur, nous sommes de la famille sacerdotale. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs rois. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Le prophète doit écouter Dieu pour transmettre. Ainsi, dit l'Éternel. Mais nous ne vivons pas chaque jour de l'ainsi, dit l'Éternel. Il y a un ainsi, dit l'Éternel, qui est immuable. C'est la Bible. C'est la parole. Si nous voulons écouter Dieu, si nous voulons faire ce que Dieu veut que nous fassions, lisons la Bible. C'est pourquoi il a dit à Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. C'est la plus grande prophétie qui existe. C'est le plus grand insigne de l'éternel qui existe. Quand lisons la Bible. Alors Jacques dit, si quelqu'un est malade, ça veut dire qu'il doit, il doit appeler les anciens. Ils vont prier pour lui. Ici, ils, si ils veulent mettre l'huile, ils doivent mettre l'huile. Ils mettront l'huile. Et si est malade, il sera guéri. Donc, un sacrificataire n'a pas besoin d'écouter chaque jour Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que oh un sacrificataire, il interprète la parole, il interprète la loi, il interprète de l'Éternel écrite. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Si je veux être guéri, je regarde la parole. Si Dieu ne parle pas avec une voix audible, si Dieu ne passe pas à travers un prophète pour me dire que Dieu a dit ceci, j'ai une parole de Dieu qui est là, j'ai la Bible où je peux entrer à tout moment, 24 sur 24. Ici, là, écoutez bien, les sacrificataires n'ont pas besoin parce que d'écouter Dieu avant de faire quelque chose. Le sacrificateur a besoin de lire par l'esprit et d'interpréter. Là, il y a une formule. Ça veut dire que c'est à volonté. Je peux ouin réduire aujourd'hui. Si ça ne marche pas aujourd'hui, je peux une réduire demain. Ah, je libère l'onction de la compréhension de la parole dans ta vie. Je peux ouin aujourd'hui. Et si tu n'es pas guéri, viens encore demain. Je vais encore ouin que Personne ne dit oh pourquoi ils sont en train de vendre lui chaque fois. C'est une formule. Dès que je sens de le faire, je le fais. C'est à gogo. C'est comme de l'eau sur le robinet ou dans le robinet. Quand je vais puiser l'eau, je vais plus euh, chercher l'eau ailleurs. J'ai un robinet. J'ouvre le robinet. Ah. Reçois l'onction prophétique et que la connaissance entre à toi. La Bible, c'est un robinet. On n'a pas besoin d'aller à C'est même pourquoi on est en train de se perdre. Parce que les incidents de l'éternel sont souvent rares. Parce que Dieu ne parle pas en goulou, en goulou. Dieu ne parle pas en bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab non, 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 non. Après plusieurs fois. Il a guéri la après plusieurs fois. Ça, c'est une formule. C'est pourquoi les fruits que vous voyez là, chaque fruit, à la fin, mettez vos fruits sur la table. À la fin, je vais clôturer en bénissant vos fruits. En bénissant l'eau que vous allez boire. Écoutez, le prophète Esaïe, envoyé par Dieu, a dit ainsi, dit l'Éternel. À un homme de Dieu, le roi Ézéchias, il était un roi qui a commencé sa royauté très jeune. Je crois il avait dans le 25 ans, et il était très attaché à Dieu. C'est parmi les rois qui ont réjoui le cœur de Dieu. La Bible dit d'Ézéchias, il a marché sur la voie de son père David. Ézéchias a régné à Jérusalem, pas à israël Vous savez qu'il y avait deux le, 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 royaume, le royaume était descendu en deux après la mort de, sa, de Salomon. Donc il y avait le royaume du nord qui avait comme capitale la Samarie. Il y avait le royaume du sud qui avait comme capitale Jérusalem que Dieu avait choisi comme le lieu de sa demeure. Il y avait deux tribus au nord et deux tribus au sud. La tribu de Juda qui est la lignée de David, la tribu de Judas, et était au sud avec la tribu de Benjamin. Ce sont ces deux tribus qui étaient en quelque sorte restées attachées à Dieu. Deux tribus. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. Lorsque les dix tribus du nord ont été plongées dans l'idolâtrie, dans la perdition, ils ont oublié Dieu. La tribu, les deux tribus qui étaient restées accrochées à peu près à la loi de Dieu, même si elles aussi ont commis des erreurs, mais c'était la tribu de Judas et la tribu de Benjamin. Ces deux tribus étaient restées accrochées. Ézéchias était roi en Israël, mais en Judée, donc à Jérusalem. à Jérusalem. La Bible dit il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a enlevé l'idolâtrie en Israël. Il a brisé, il a fait un acte très symbolique, Ézéchias. Il a détruit le serpent des reins que Moïse avait érigé dans le désert pour que le peuple qui était mordu par le serpent brillant, il faut qu'il regardait le serpent des reins, ils étaient guéris. Et quand ils sont entrés à, à Canaan et qu'ils se sont établis en Israël, bien aimé, le peuple en Juda de Judas et de Benjamin, les deux tribus qui étaient restées, adoraient encore les serpents des reins. Et c'était devenu l'idolâtrie. La Bible déclare Ézéchias est allé casser ces serpents des reins. Il a enlevé au milieu du peuple. Il a fait de très bonnes choses. Il a restauré le culte de l'éternel. Et un jour, Ézéchias est tombé malade. Et quand Ézéchias est tombé malade, Esaïe, le prophète, a été envoyé par Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Il a dit à Ézéchias, ainsi dit l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu ne, tu ne vivras plus, tu vas mourir. Tu ne vivras plus, tu vas mourir. Samuel prend des rois, chapitre 20, verset 1 à 7. Vous allez voir la force de, la, de fruit. Vous allez voir la force du sacerdoce. Deux rois, chapitre 20, verset 1 à 7. Esaïe arrive, il dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ainsi parle l'Éternel. Quand Dieu dit, c'est dit, Dieu ne change pas. Quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais Dieu peut changer. Si tu es Moïse, Dieu peut changer ses décisions. Dieu peut parler. Mais si tu es sacrificateur, tu peux t'opposer à Dieu. Mais sauf que tu dois avoir des arguments. Parce qu'un sacrificateur, c'est un avocat. C'est un intermédiaire entre Dieu et les humains. Tu es un sacrificateur. Tu dois connaître la loi du sacerdoce. Un, un prophète peut seulement dire ce que Dieu a dit. Un sacrificateur peut s'opposer à ce que Dieu a dit. Un sacrificateur peut s'opposer. Dieu parle, le sacrificateur. Je ne me tiens pas ici ce matin ou ce soir, ce midi, je ne sais pas quel tu me suis. Je parle double langage. À un moment, je parle en tant que prophète, à un moment, surtout là, je parle comme sacrificateur. Un sacrificateur peut s'opposer à la volonté de Dieu. Mais il doit avoir de bons arguments. C'est comme un avocat qui se présente devant un tribunal qui défend un assassin, qui a tué, mais l'avocat vient, il défend l'assassin. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas Toute autorité vient de Dieu. Ce que nous voyons dans les tribunaux des hommes, c'est ce qui se passe au ciel. Parce qu'en fait, il a été dit à Moïse, fais selon le modèle que tu as vu au ciel. Ce que nous voyons sur la terre, surtout les sacerdotes, le tabernacle, c'est une reproduction du ciel. C'est une photo ou photocopie. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas Quelqu'un a tué, mais l'avocat vient, il défend sa cause. Tu dis, mais il a tué, on le tue, basta. Mais il faut qu'il ait le droit de se défendre. Un enfant de Dieu, né de nouveau. Surconçu du cœur, marchant dans la crainte de Dieu. Romains chapitre 1, il a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection et l'esprit de l'obéissance, et l'esprit de la sainteté. Une fois que nous sommes nés de nouveau, nous marchons dans l'obéissance de Dieu. Nous avons une communion avec Dieu. Nous pouvons avoir des arguments. Et s'opposer à ainsi dit l'Éternel. On ne s'oppose pas pour manquer de respect à Dieu, pour ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, mais on se pose parce qu'on a des arguments valables. C'est pourquoi il est écrit dans Esaïe venez avec des mots, pardon, dans Osée, venez avec des mots. Parle-moi. Et dans Isaïe, il est écrit, réveille ma mémoire, parle-moi de toi. Discutons ensemble, réveille ma mémoire, parle-moi de toi. Donc, en tant que sacrificateur, Ézéchiel s'est opposé à ainsi dit l'Éternel. Alors je pose la question à quelqu'un. Si un sacrificateur peut s'opposer à l'ainsi dit l'Éternel, à combien plus fortes raison peut-il s'opposer à l'insi dit Satan ncid ediable cid socie alncidi enemi nzambe na ngai soki motumbi na mbeka akoki koseconfronte ko na nzambe soki aza na bargima komoooki koseconfronte ko te na bandoki ndoki moko akolia yo aza te desision moko andoki ekosimba yo eza kutu te motumbi na mbeka baliake na ndoki e te Un sacrificateur ne peut pas être mangé par les sorciers. Rien que la volonté de Dieu qui prime dans la, dans la vie d'un sacrificateur. Parce qu'un sacrificateur, il peut être plus dangereux qu'un prophète. Parce que le prophète écoute Dieu pour parler. Mais le sacrificateur, il a des arguments. Il a la loi dans sa main. Le prophète doit attendre le temps opportun pour que Dieu parle. En fait, il parle. Mais le sacrificateur n'attend pas Dieu. Il a la formule. Tapez-moi cette fois la formule, la formule, la formule. C'est pourquoi Satan ne veut pas que les chrétiens deviennent de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu, de véritables avocats. Un sacrificateur, c'est un danger, c'est un avocat. Et les sacrificateurs ont une lignée. Dans l'ancienne alliance, si tu n'es pas la lignée d'Aaron, tu ne peux pas être sacrificateur. Tu es lévite, tu vas travailler dans la maison de Dieu, mais tu ne peux pas entrer dans les temples. Ceux qui entrent dans les temples, ceux qui sacrifient les offrandes dans les temples, ils doivent avoir le sang d'Aaron. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Le roi de gloire, Jésus. Celui qu'on appelle les souverains sacrificataires selon l'ordre de Melchisedec. Il a fait de toi et moi un royaume de rois et de sacrificateurs. Nous avons deux doubles titres. Nous avons. Le titre de roi. Parce que lui, il est le roi des rois. S'il est le roi des rois, ça veut dire qu'il doit régner sur le roi. Donc nous sommes des rois et sacrificataires. Parce que lui-même, il est le roi des rois et souverain sacrificataire qui règne sur nous, les petits sacrificataires. Mais le secret des sacrificateurs est que les sacrificataires doivent avoir des arguments. Les sacrificataires doivent honorer la loi. Les sacrificataires doivent marcher dans la loi. C'est comme ça qu'ils peuvent s'opposer. À Dieu et peut s'opposer facilement à Satan. Je vous donne un exemple. Avant de parler d'Ézéchias, Dieu décide. Il dit Moïse, ce peuple est méchant, ce peuple est incrédit Je vais les exterminer, je vais les tuer, et puis moi, Dieu, je vais créer un autre peuple. Pour toi, Moïse. Moïse a dit au peuple. Vous avez tellement fait du mal à Dieu. Je vais encore remonter au ciel, et pardon, à la montagne, et je vais prier. Moïse monte à la montagne, il dit à Dieu, Père, il dit à Dieu, Dieu. Parce que la notion de Père n'était pas encore trop développée dans l'ancienne alliance. Il dit, Éternel Dieu, comment tu peux tuer ce peuple Tu les as fait sortir avec puissance en Égypte. Tout le monde a vu. Ils ont entendu. Et si toi, tu les tues ici dans le désert, ils diront quoi les nations qui nous entourent Ils diront que Dieu a été incapable de les amener à Cana. C'est pourquoi il les a tués dans le désert. Éternel Dieu, si tu veux tuer ce peuple, tue-moi. Sinon, tue efface mon nom dans les livres de vie. Wow. La Bible dit... Dieu changea de décision. Moïse ne monte pas comme un roi, il monte comme un sacrificateur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que quelqu'un est en train de me comprendre, que tu sois le sacrificateur de ta maison. 2023, obéis à la loi de Dieu. Sois obéissant. Marche dans la crainte de Dieu. Éloigne l'impudicité, éloigne la haine, éloigne la distraction, entre dans la profondeur de la parole. Tu vas t'opposer à, 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 à de l'éternel. Quand tu auras des arguments, tu, comme Ézéchias, tu vas t'opposer facilement à Satan et à ses acolytes. C'est pourquoi je vous ai dit Alléluia, je dis à quelqu'un je, 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 je change, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Bien aimé, le Seigneur. Merveille, Samuel Valli. Ce qu'Ezéchias a fait. Je vous ai parlé de Moïse. Dieu a changé d'avis. Je voulais. En quelque sorte, Moïse avait des arguments. Moïse avait des arguments. Il a dit Seigneur, éternel, tu m'as là-bas. Je les ai fait sortir. Ils sont venus dans le désert. Malgré qu'ils sont méchants. Mais tu peux pas les tuer. Si tu les tues, moi, j'aurais honte. Parce qu'ils vont dire, même si tu vas créer un autre peuple à la place. Mais ils diront que tu étais incapable, comme si Moïse était en train de faire raisonner Dieu. Vous pensez que Dieu ne savait pas tout ça Un sacrificataire doit avoir des arguments, doit avoir la passion des âmes, doit avoir la passion. Aujourd'hui, nous avons des papas qui n'ont pas de passion de leurs enfants nous avons des mamans satanistes qui n'ont pas de, la passion de leurs enfants. Nous avons des parents qui n'ont pas la passion. Nous avons des pasteurs qui n'ont pas la passion des âmes. Un sacrificateur, il peut s'opposer. En tant que ton pasteur, en tant que ton pasteur, toi la montagnarde, toi montagnarde, je libère l'onction prophétique. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je m'oppose à Satan. Je m'oppose à l'esprit de mort. Je m'oppose à l'esprit de la maladie diabolique. La maladie de mauvais, je m'oppose, tu ne mourras pas de cette maladie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je dis à cause de tes œuvres. Je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Elle accompagne la montagne de la prière, à travers ses dîmes, à travers ses offrandes. Souviens-toi de cette femme, souviens-toi de cet homme. Je m'oppose, Seigneur de gloire, le projet de Satan sur sa vie ne marchera pas. Tapez-moi cinq fois, stop, stop, stop. Stop, on s'oppose. Toi, au château tout, tu feras comme Ézéchias. Esaïe, le grand prophète, est venu. Il lui a dit Ainsi dit l'éternel, tu vas mourir. Ézéchias dit Jamais. Dieu a parlé. Moi aussi, j'ai le droit de parler avec Dieu. Dieu avec moi. Dieu a parlé. Mais moi aussi, j'ai le droit de parler avec Dieu. Satan parlait, j'ai encore beaucoup plus le droit. Parce que d'ailleurs, quand Dieu parle, c'est extraordinaire. Parce que Dieu ne souhaite jamais le malheur sur ses enfants. Et là, on est en train de parler de sorciers qui te disent que tu n'arriveras pas en 2023. Ils ont dit que tu n'arriverais pas en 2020. Tu as traversé 2020. Te voici en train de traverser 2022. Ils avaient dit que tu n'arriveras pas à 30 ans. Aujourd'hui, tu y vas vers les 40 ans. Tu vivras beaucoup d'années, plus que les années qu'ils ont prévues. Parce que dans Proverbe chapitre 3, il est écrit Mon fils, garde la parole. Mange la parole. Lis la parole comme un, comme un collier autour de ton cou. Obéis à la parole. Car cette parole que tu obéis, elle a le pouvoir de prolonger les jours et les années de ta vie sur la terre. Qu'est-ce qui va coûter nos vies C'est les maladies ce sont les douleurs. Les maladies qui affaiblissent nos systèmes immunitaires, qui affaiblissent les os, qui affaiblissent les muscles, qui affaiblissent le corps, qui affaiblissent la vue, qui affaiblissent l'ouïe, le, le, l'odorat. Il y a des gens, ils n'ont plus l'odorat. Ils mangent seulement, mais, pardon, ils n'ont plus le goûter. Ils mangent, mais ils n'ont plus le goût dans sa bouche. Tout ce qu'ils mangent, ils n'ont pas le goût. Il y a ceux-là qui n'ont plus l'odorat. Il y a ceux-là qui n'ont plus l'ouïe, ils n'entendent plus. Il y a ceux-là qui n'ont plus la vue. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qui à travers de ces jeunes et prières végétariens, on s'oppose à cette maladie. Quel que soit le nom de cette maladie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous les chassons. On s'oppose. Tapez-moi cinq fois. Stop, stop, stop. Écoutez. Des rois 20, 1 à 7. 20, 1 à ce temps-là, Ezekiel fut malade à la à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mode de LFI. Il a été gravement malade. Donc, c'est une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit Le prophète Ésaïe vint auprès d'Ézéchias qui était mourant et il lui dit Waouh, quoi Ainsi parle l'Éternel. Ah, 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 j'ai pas bien entendu. Ainsi parle, Ainsi parle la famille Pange. Ainsi parle le prophète Panzo. Ah, donc ainsi parle. Ok. Donc, ce n'est pas un homme. Hein. Donc, Esaïe, le grand prophète, qui a vu la venue de Christ. Il n'y a personne qui a décrit Christ comme Esaïe. Un fils, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. La domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, le Tout-Puissant. Donc il n'y a pas un prophète qui a vu Jésus. Avant Jésus. Hein? Avant, avant l'apparition de Christ. Avant la venue de Christ, il n'y a pas un prophète qui a vu le Christ comme lui. Alléluia. Comme une plante qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu. Le bras de l'Éternel, car il s'est levé comme une faible plante. Ézéchiel 53. Comme une plante qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, méprisé et abandonné, homme de douleur, habitué. Je parle ici de grand prophètes qui vient vers un sacrificateur, parce que Ézéchias, ce qu'il fait, il ne fait pas le roi. Il ne, il ne se présente pas à Dieu comme roi. Il se présente à Dieu comme les sacrificateurs. Vous devez savoir que en Israël, le peuple n'avait pas le Livre de la Loi, la copie des Livres de la Loi, sauf les sacrificateurs et le roi, parce que le roi était d'office un pasteur. Il était considéré le pasteur de la nation. C'est pourquoi le roi avait une copie de la Loi dans son palais, à part les sacrificateurs. Il n'y a que le roi qui a lavé le droit. Tu as la Bible, lis la Bible. Tu as la Bible, c'est un privilège d'avoir la Bible. Lis la Bible. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Ce n'était pas un prophète de Baal, mais le prophète de l'éternel qui dit Ainsi parle. Vas-y, papa. Oh. Ainsi parle. Ainsi parle l'éternel. Ok. Donne tes ordres, à ta maison. Dans tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. avec moi, je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je, vivrai. je vivrai. je vivrai. je vivrai. Au nom de Jésus, ce n'est pas le temps, pas temps de, faire, de des testament. faire des testaments. Au de nom de Jésus, des... je, je, ne vous... je ne mourrai pas. Ne mourrai pas. Je... Je je qui que ce soit, qui que ce soit, qui vient donner des messages mortels dans ma maison, je déclare. Sans effet, Sans je des... ne mourrai pas. Mourrai Personne pas. ne mourra. Personne nous vivrons. Nous vivrons. Car, Car nous avons encore nous avons des, encore choses, des, à des choses à faire. Au, nom, Au de nom de Jésus. Donne tes ordres à ta maison. Ce n'est pas quelqu'un qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Tu si ne vivras plus, tu vas mourir. David a dit Je ne mourrai pas, je vivrai, je célébrerai encore les œuvres de l'éternel. Là, c'est Dieu qui a parlé. Mais David a dit Mes ennemis disent de moi. Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? la Pour passer la fête. Ils attendent que tu meurs pour qu'ils puissent jubiler. Dis à Dieu Seigneur, ne les donne pas ce privilèges. Que le privilège ne se réjouisse pas à ton sujet? Que l'ennemi ne se réjouisse pas au sujet de ta maladie, au sujet de ta mort. Que l'ennemi ne se réjouisse pas au sujet de ta souffrance. Comme David dit encore, alléluia, fais un signe à ma faveur. Enfin que mes adversaires soient dans la confusion. Les signes de l'éternel, c'est la guérison, c'est la délivrance sur toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les signes de l'éternel, et que toi tu ne mourras pas, et que tu vivras. Le, la vipère avait mordi Paul. Ils attendaient le voir mourir, car le venin était mortel. Mais Paul a survécu à ce venin mortel. Et ils ont changé d'avis. Ils ont envoyé. Un venin mortel. Ils ont suscité des problèmes contre toi pour que tu fasses une crise. Mais c'est grâce à ce venin que tu arriveras à Rome. Grâce à ce problème que tu arriveras à ta destinée. La prison n'a pas empêché Joseph de régner. La haine de ses frères n'a pas empêché Joseph d'entrer dans sa destinée. Le mépris, la brutalité, on a déchiré ses vêtements. Cela n'a pas empêché Joseph d'entrer au trône. Tu entreras au trône. Le trou de la prison n'a pas empêché Joseph de sortir et d'entrer sur le trône. Donne tes ordres. Tu ne vivras plus, car tu mourras. Là, il s'agit de Dieu. Mais Ézéchias n'a pas paniqué. Vas-y, papa. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Le sacrificateur. Là, oui. il est... Attends, papa, là, il est sacrificataire. Ézéchias, quand il a attendu que Dieu a dit, mais quand Dieu dit, il faut se taire. Qui es-tu pour, pour t'opposer à Dieu? D'ailleurs, la Bible dit, qui est l'homme pour que Dieu prenne soin de lui? Qui est fils de l'homme devant Dieu? Car l'homme, c'est comme un vapeur, une vapeur qui apparaît et ensuite disparaît. Mais tu n'es pas l'homme naturel. Tu es l'homme-esprit, parce que Il t'a racheté par le sang. Il t'a donné une identité sacrificataire roi. Mes enfants sont des sacrificateurs, rois. Ma femme est une sacrificateur, roi. Moi-même, je suis sacrificateur, roi. Tu es ça. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur nous sommes des sacrificataires rois. Tu as une double identité dans le service. Au-delà d'être enfant de Dieu, il t'a donné le droit, il t'a donné cette identité, sacrificataire roi. Là, c'est Dieu qui a parlé. Une fois, Ézéchias était mourant, il était mourant, il était mourant, mais quand il a entendu le grand prophète venu lui dire, ainsi dit l'Éternel, Donne des ordres à ta maison. Parce que tu ne vivras plus, tu mourras. C'est comme si Ézéchias manque de respect à Esaïe. Non, 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 non. Ézéchias avait l'intimité avec Dieu. Il a compris que le prophète n'a rien à voir avec moi. Le prophète, c'est un interprète. Le prophète, c'est un micro. Qu'est-ce que le prophète a à voir avec lui Donc, le prophète a seulement donné le message. Ce n'est pas l'affaire du prophète. C'est l'affaire de Dieu. Et se dit, au lieu de m'attaquer à, 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 à l'homme de Dieu, de dire, pourquoi tu me donnes cette prophétie Il dit, non, puisque c'est un homme vrai. Ça veut dire que ce que qu dit là, c'est vrai. Et puisque c'est vrai, moi je vais à la source. Tapez-moi cinq fois la source. La source. Qui a envoûté ta fille pour qu'elle ne se marie pas Qui a envoûté ton garçon pour qu'il ne se marie pas Qui a envoûté tes enfants pour qu'il devienne schizophrène qui devient drogué, va à la source. Tu es sacrificateur. Tu peux t'opposer. Va à la source. Et dis, Seigneur, il y a un sorcier. Là même, c'est un sorcier. Vas-y, papa. Ézéchias se tourna. Son visage contre son le, le mur. Écoutez. À et puis, cette pas n'importe quelle prière. Il avait des arguments. Tapez-moi cette fois, argument, argument. Il adressait à Dieu cette prière. Tapez-moi cette fois. Argument, argument. Vas-y, la prière. Oh, éternel. éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité cœur. Écoute. Ézéchias ne va pas dire, oh Seigneur, tu sais, vraiment, euh, euh, je crois, je pense. Non. Ézéchias est parti, il a présenté son bilan. Tapez-moi cinq fois. Bilan, bilan, bilan. Tu vois comment aujourd'hui, pourquoi nous souffrons, pourquoi beaucoup de chrétiens. Sont dans la prise de Satan. Pourquoi beaucoup de chrétiens, tu vois, maman, pasteur qui commet l'impudicité, tu vois, le prophète qui commet l'impudicité, l'apôtre qui commet l'impudicité, le pasteur qui, qui couche avec les, des autres. Pourquoi Parce que Satan ne veut pas que nous puissions avoir des arguments valables devant Dieu, notre juge. Il ne veut pas que nous ayons des arguments. Même à la fin de ces jeunes prières, tu sens dans ton cœur. Je vais bâtir l'autel. Je vais bâtir l'autel. Tu dis, ah, je crois que c'est moi-même. Bon, c'est le prophète qui l'a dit. Attention. Dieu t'a dit, tu vas soutenir ces ministères. Maman, toi qui soutiens les ministères, je te le rappelle, je te dis encore, tu le fais de tout ton cœur. Chaque jour que tu pries, c'est un argument de taille. Tu dois rappeler à Dieu. Écoute ce que Ezekiel dit. Vas-y, papa. Ah, éternel. Ah. Souviens-toi que j'ai marché devant ta, devant ta face avec fidélité avec et intégrité de intégrité cœur. De attends, papa, attends. attends, attends. J'ai marché devant toi avec fidélité de cœur. J'ai marché devant toi avec, avec fidélité, avec fidélité et intégrité de cœur. Isaac est en train de dire, souviens, ça veut dire qu'il y a un souvenir. Au ciel, il y a un livre de, 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 de vie il y a aussi un livre de souvenirs. Et a dit, oui, je suis malade, oui. C'est une maladie grave, oui. Je dois mourir, oui. Mais, Seigneur, j'ai encore des choses à faire. Il y a quelqu'un qui doit se lever et dire ce soir, j'ai encore des choses à faire. Mes enfants ont encore besoin de moi. Cette maladie ne doit pas m'emporter, Seigneur. Je t'en supplie. Seigneur, l'oppression de mes ennemis ne doit pas me faire tomber. Je t'en supplie. Ma femme a encore besoin de moi. Mes enfants ont encore besoin de moi. Maman, papa, lève-toi. Enfant, lève-toi. Dis, Seigneur, ne permets pas que je puisse partir. Mes parents ont besoin de moi. Ils ont investi dans ma vie. Maintenant que mes parents commencent à grandir, je n'ai pas encore rendu la balle la sincère à mes parents. Les enfants doivent se lever dans cette prière. Vous devez dire, je ne mourrai pas avant mes parents. Et mes parents ne mourront pas à fleur d'âge. J'accompagnerai mes parents à la vieillesse après une de vieillesse. On voit les enfants mourir laisser leurs parents. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Si Jésus est mort, parce que son père ne meurt pas pour Tata a qui tata Moi n'a avant tata. L'enfant ne doit pas mourir avant le père. Tu vas me dire, mais Jésus est mort. Mais oui, parce que son père ne meurt pas. Jésus est mort parce que son père ne meurt pas. Et son père avait le pouvoir de le ressusciter. Ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas Abraham qui a atterré Isaac. C'est Isaac qui a enterré Abraham après une heureuse vieillesse. Ce n'est pas Isaac qui a enterré Esaou et Jacob. C'est Esaou et Jacob qui ont enterré Isaac, leur papa. Ce n'est pas Jacob qui a enterré Joseph ou Riban. C'est Joseph qui a enterré Jacob. C'est Ephraim et Manassé qui ont enterré Joseph. C'est dans le plan de Dieu. Que quand tu as des enfants, c'est ce que dit. Vous aurez des enfants, vous ne les verrez pas mourir. tellement le Lève-toi dis, Seigneur, mes enfants ne mourront pas. Tu y as des souvenirs avec Dieu. Montagnard. Et montagnards. Marchons dans la crainte de Dieu. Éloignons-nous du péché, de la haine. Ne soyons pas à la base de la destruction d'un ministère de quelqu'un. Ne soyez pas à la base du divorce d'une famille. Quand on la base, il n'y a pas de mal à faire. Pour que nous nous sommes en train de nous faire. Malédiction de ne sois pas la base de la douleur, de la souffrance d'une personne. Même si c'est un païen, chaque fois qu'il va se plaindre, la malédiction tombera sur toi. Tes prières ne serviront à rien. La malédiction tombera sur toi. Marchons dans la crainte de Dieu. Paul a dit dans Galates celui qui vous a troublé, qui quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Ça veut dire que quand tu fais du mal à quelqu'un, peu importe que tu sois directeur d'une banque, président de la République, roi, je ne sais pas quoi, pasteur, prophète, apôtre, peu importe qui tu es, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu payeras les conséquences. Marchons dans l'intégrité comme Ézéchias. Marche dans la fidélité, sois fidèle à ta femme, sois fidèle à tes enfants, sois fidèle à tes amis. Ne mens pas à tes amis, ne fais pas de mal à tes amis, sois intègre, sois fidèle. Maman mia. Ézéchias va continuer sa prière. Il dit, je fais ce qui est bien. À tes, yeux. à tes yeux. Il dit, moi je fais ce qui est bien. Vous pensez qu'Ézéchias était, était parfait Non. Mais Ézéchias a présenté son bilan. Tapez-moi cinq fois bilan. Pendant ces trois jours. Alléluia. Seigneur de gloire. Nous voulons te présenter le bilan, Seigneur de gloire, de notre vie. Oh Dieu, à travers le fruit, à travers le légume, à travers l'eau de papa, libère-nous des maladies, libère-nous de la mort projetée par nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, tu as dit, papa, il y a certains démons qui ne quittent que par la prière et par les gènes. Vas-y, papa. Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Il n'était pas encore dans la cour du milieu. Dieu a changé le langage. Tu vois l'expression que je vous dis, que le prophète est limité, mais pas le sacrificateur. Parce que le sacrificateur peut aller plus loin, parce que le sacrificateur a la formule. Le prophète attend que Dieu parle au temps opportun, au moment marqué. Mais le sacrificateur a la formule. Chaque fois que tu as des problèmes, tu as la formule. Voici comment vous devez prier. Nous avons la formule. Si quelqu'un est malade, voici comment vous devez faire. Donc nous avons la formule. Nous avons plus besoin qu'un ange descende, qu'un prophète vienne des États-Unis ou de la France ou là-bas où tu es pour te parler. Non. Non non non, ce n'est pas toujours comme ça. Nous viendrons autant temps Là, je suis dans la veste de prophète. Je ne suis pas en train de dire que le prophète ne sert à rien. Mais pour vous dire que nous sommes des nous avons des formules. Ézéchias entre dans la dimension de sacrificateur. Il s'oppose à Dieu. Il dit Tu as dit, je vais mourir. Mais attention, Seigneur, souviens-toi que j'ai encore des choses à faire. Il commence à présenter son bilan. J'ai marché avec fidélité, avec l'intégrité du cœur. Je fais ce qui est bien aux yeux de toi, hein, ce qui est bien à tes yeux. J'ai bien traité ma femme. J'ai bien soigné mes enfants. J'ai toujours été agréable et fidèle, intègre dans mes relations avec les amis. Seigneur, regarde ce que les amis veulent me faire maintenant. Seigneur, j'ai aidé ma famille jusqu'à la moelle épinière, je les ai soutenus, mais regarde ce que la famille

Jusqu'à manquer à manger, Seigneur, la sorcellerie de ma famille ne m'atteindra pas. Ezekiel s'oppose à Dieu parce qu'il avait des arguments. Ésaïe était en train de partir, Dieu l'arrête. Il dit les sacrificateurs apportent des preuves. Tapez-moi cinq fois des preuves, des preuves. Devant les sorciers de la nuit et du jour, nous présentons les preuves. De notre intégrité, de notre innocence. Nous présentons les preuves de notre intégrité, de notre innocence, les bonnes œuvres au nom puissant et glorieux de christ Tapez-moi cinq fois. Les preuves, les preuves, les preuves, les preuves, les preuves. Oui. Quel moment glorieux. Trois jours de jeûne et de prière pour désintoxiquer notre corps. Nous allons manger le fruit et boire de l'autre siège, le matin, à midi et le soir. À 18h, nous ne sommes pas là à 4h du matin. Demain samedi, à 18h, nous allons ouvrir le jeûne ensemble. Et à 22h, je serai encore avec vous dans l'enseignement. Alléluia. Nous sommes en train de démontrer ici que les fruits guérissent. Vas-y, papa. Retourne et dis à, Ézéchias. Retourne et dit à Ézéchias. Chef de mon peuple. Chef de mon peuple. Ainsi parle l'éternel. Le Dieu de, de David, ton Père. père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu, vu tes larmes. Voici. Voici. Je te guérirai. Je te guérirai. Le, troisième jour, le troisième jour, tu, la de tu vas aller à l'église. Viens à l'église le troisième jour. Hein. On dit à Ezekiel pour ta guérison. Le troisième jour, viens à l'église. Dimanche, ne manque pas. Viens avec ta bouteille d'huile. Viens avec ta bouteille d'eau. Dimanche ne manque pas. Le troisième jour, c'est prophétique maintenant là, dimanche monte à Paris, monte à Paris, à la montagne de la prière, à noisy le grand à nouveau tel Ne manque pas, parce qu'il y a un miracle qui t'attend. Tu vas entamer le mois de décembre avec la vigueur de bifle, avec la force de bifle. Le troisième jour, tu monteras à la maison d'or, tu monteras à l'église, au temple. Vas-y. Et puisque tu monteras, tu dois obéir. Il y a une voix qui te dit va voir l'homme de Dieu. Va voir l'homme de Dieu. Et cette voix, si tu obéis, quelque chose va arriver. Je te guérirai. Le troisième jour, monte à la maison de l'éternel monte à l'église. Et j'ajouterai, j'ai t'ajouterai 15, 15 années, moi je dis que Dieu ajoute beaucoup d'années, beaucoup plus d'années, Dieu a des équièces, c'est Dieu là qui a dit que tu vas mourir, quand le sacrificateur a parlé, Dieu a changé le langage, le même prophète qui est venu dire que tu vas mourir, le même prophète, Dieu n'a pas dit bon c'est la honte hein, bon, euh, euh, c'est un autre non, le même prophète, le prophète était à l'aise parce que il a entendu Dieu dire, retourne parce que je vais guérir, j'ai entendu la prière du sacrificateur je vais le guérir et Ézéchias a arrêté la volonté de Dieu, Ézéchias s'est opposé parce qu'il avait les arguments il avait les arguments Ésaïe est revenu et il lui a dit Vas-y, papa. J'ajouterai euh, tes, tes jours 15 années. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Toi et cette ville. Et cette ville. Et la de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Je protégerai cette ville. À, cause à cause de moi. Et à cause de David, et cause de David mon serviteur. serviteur. Esaïe dit. Figues. Hein? figues. Prenez une masse de figues. figues. Vas-y. On l'a pris. On l'appliqua. Sur les, sur les Donc sur les plaies. Mm -hmm. Et Ezekias guérit. Ezekias guérit. Waouh. Les fruits. Waouh. Ici, on n'a pas la figue. Hein? Non. Non. On n'a pas la figue. Non. Regardez, moi, j'aime la parole. Et tout ce que je fais, c'est dans la parole. Écoute, scientifiquement, il est prouvé que la figue est riche en fibres. Est riche en fibres. La figue favorise la digestion. Elle contribue à lutter contre les constipations passagères ou chroniques, puisqu'elle favorise le transit intestinal et a également un fort pouvoir de satiété. Donc, c'est un, un fruit coupe fin. Ézéchias, Esaïe dit à Ézéchias le roi. J'ai libéré la parole. Dieu a dit, tu ne mourras plus. Tu vivras parce qu'il a écouté ta prière. Que Dieu écoute ta prière. Tu ne mourras pas parce que Dieu va écouter ta prière et d'autres. Mais qu'est-ce que qu dit Dieu a ajouté les années. Que Dieu ajoute les années de la vie de ton mari. Que Dieu ajoute les années de la vie de ta femme. Que Dieu ajoute les années de la vie de tes enfants sur la terre. N'attendons pas que nous tombons malades avant de revenir à Dieu, pendant que nous sommes forts, continuons à travailler, à faire du bien, à être intègres. Ézéchias a dit La guérison va se compléter à travers le fruit. Ça c'est une très belle mangue. Waouh Très belle mangue. Chaque fruit que vous voyez a des protéines. A un médicaments, a des protéines. La figue, comme j'ai dit, elle est riche en fibres. Elle favorise la digestion. Elle contribue, n'est-ce pas, à lutter contre la constipation, qu'elle soit passagère ou chronique. Même si elle est chronique, quand vous mangez la figue, vous allez vous, allez vous libérer de la constipation. Parce qu'elle libère les intestins. Et vous n'aurez pas trop faim. Donc, quand on a... Oh on a, oh on est en gêne et prière. Hein? On peut manger la figue. On peut manger le figue. On n'aura pas beaucoup faim. Quand vous mangez la figue, vous avez l'impression d'être rassasié. Quand vous mangez McDonald's, qu'est-ce que vous sentez? Vous avez envie de manger encore. Vous avez... Mais quand vous mangez les fruits bio, vous n'avez même pas faim. On comprend ici que la guérison a été complétée par le fruit, la figue. On l'a appliqué sur l'icelle et il a été guéri. Je déclare ce soir, c'est le premier jour. Demain, c'est le deuxième jour. Tout fruit que tu vas manger a des protéines. Tu peux t'informer avec Google. Tu vas voir quelles sont les protéines qui sont dans, dans le fruit que tu manges. Tu peux orienter ta prise. Je libère l'onction prophétique sur toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et la prière sacerdotale fait, mange le fruit, bois de l'eau tiède. Le matin, prends des fruits, trois fruits, mange. Prends un verre d'eau tiède, bois. À midi, répète la même chose. À 18h demain, on sera ensemble au téléphone. Les numéros sont là, l'affiche est là. Partout où vous êtes, vous pouvez vous connecter. Pour ceux qui sont en Afrique, appelez-nous rapidement, envoyez votre numéro, on peut vous mettre sur YouTube privé ou soit sur euh, le euh, groupe WhatsApp privé afin que vous puissiez ouvrir le jeûne et prière avec nous. Appelez vite vous qui êtes en Afrique parce que le téléphone là c'est pour ceux qui sont à l'occident, ça coûte cher. Mais nous avons le groupe WhatsApp fermé où vous pouvez être pendant une heure du temps, ouvrir le jeûne et prière ensemble avec nous. Nous allons clôturer dimanche. On a dit à Ezekiel, pour ta guérison, le troisième jour, tu monteras au temple. Tu monteras au temple. Nous t'attendons ce dimanche. Nous t'attendons ce dimanche à Noisy-le-Grand, à Novo-Tel, de 10h à 13h. Amène une bouteille d'huile et une bouteille d'eau. Quelque chose de puissant. Data. Les Le sacerdoce, je peux répéter à, à volonté. Je peux le faire aujourd'hui, je peux le faire encore demain. Mais crois que quelque chose va se passer et que chaque fruit que tu vas manger soit un médicament pour te guérir. Jeune et prière de la bonne végétarien pour la bonne santé. Ces jeunes et prières, c'est pour nous désintoxiquer de toute la nourriture que nous mangeons. D'entamer les 30 jours de jeûne et prière le mois de décembre, du 1er décembre jusqu'au 31 décembre, nous allons avoir 30 jours de jeûne et prière. Préparez-vous, ça sera puissant. Et nous voulons commencer ce jeûne avec la bonne santé, avec la force de bifles Que mon Dieu te bénisse. Prends tes fruits, je vais prier. Alléluia. Seigneur, je bénis. Je te laisse le temps. Je te laisse le temps de prendre les fruits. Laissez-moi euh, prendre encore des trois fruits. Vas-y. Prenez le fruit. Je vais prier. Je vais prier en nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ces fruits. Ézéchias a complété sa guérison à travers la figue. À travers ces fruits de la figue, papa, tu as complété la guérison d'Ezéchias. Père, que chaque fruit que tes enfants ont présenté devant cette télé soit un médicament pour guérir le maladie, cancer, diabète, hypertension, fibrone, stérilité, au non puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cécité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Prépare bien tes fruits, mange le matin et bois. À 18h demain, comme nous étions aujourd'hui, nous serons au téléphone. Pas sur le YouTube. À 22h, nous serons au téléphone. Nous ne serons pas à 4h. À la prière du mois de décembre, nous allons vous donner le programme. Comme nous avons récupéré l'amour, le premier amour qui est le téléphone, alors, en tout cas, je crois qu'on va encore bosser. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment partout où vous êtes et préparez-vous ce dimanche, ça sera désintoxication, la bonne santé, parce que Dieu tient à la bonne santé. Notre verset du début, Exode 23, 25 L'Éternel, vous servirez l'Éternel. L'Éternel bénira votre manger, il bénira votre boire et il éloignera la maladie de votre maison. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous mangeons et nous vivons. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il y a les super chats en bas. Si vous êtes bénis à travers la montagne de la prière, envoyez votre dîme, envoyez vos offrandes, envoyez vos hôtels. Soutenez-nous parce que c'est à cause de vous et à travers de vous que nous allons continuer à donner l'excellence. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, rendez-vous demain à 18h au téléphone et à 22h sur YouTube Samuel Panzo TV. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye.